Coucou les petits chocolats, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Une vidéo qui va s'intituler la veille et la nuit, plus le jour de la rentrée. Alors bon, j'ai pas vraiment donné le titre, mais ça va être un truc dans le genre. Donc je vais vous filmer la veille de la rentrée, donc maintenant, jusqu'à ce soir où je vais aller dormir, quand je vais dormir. Jusqu'à demain après les cours. Donc demain je rentre au collège et demain c'est de nouveau les cours. Oh. Donc j'ai déjà pris ma douche, je me suis lavé les cheveux. Donc là c'est en train de sécher un peu dans l'essuie. Et après je vais me prendre un petit dessert. Donc à tout de suite. Voilà, donc j'ai préparé mon petit dessert. C'est des chips Doritos, voilà, au fromage. Et de la sauce guacamole. C'est un mélange super bon, c'est vraiment trop délicieux. Voilà, on va ouvrir. La force. Voilà. Et ça sent super bon. Trop bon, trop bon. En passant par là, je vais te regarder quelle heure il est. Il est 19h50, voilà. Je vous montre l'heure. À quelle heure je mange mon dessert, voilà. C'est vraiment trop bon. Dites-moi si vous avez déjà mangé ou goûté des Doritos à la sauce guacamole. Trop trop bon. Aussi, avant que je goûte. Si vous aimez cette vidéo, mettez-moi un grand pouce bleu et n'oubliez surtout pas, mes petits chocolats, de vous abonner parce que tous les jours, de plus en plus, il y a des abonnés qui remontent et je suis super contente. Donc merci de me poser un max de questions si vous en avez, voilà. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'enclencher la petite cloche pour suivre toutes mes autres vidéos et recevoir une notification quand je poste. Alors, je vais terminer mon petit bol de chips et on se retrouve tout à l'heure dans la soirée. Voilà, alors j'ai préparé mon sac à dos, voilà, juste ici, et mon sac à lunch. Voilà, ça c'est fait et maintenant il ne me reste plus qu'à aller en haut pour brosser mes dents, préparer ma tenue que j'avais fait d'ailleurs. C'est une des tenues dedans, mes 5 premières tenues de rentrée que j'ai postées sur ma chaîne. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, vous invite à aller la voir, elle est super. Et après, il ne restera plus qu'à aller dormir pour être en forme pour demain. Il est bientôt 22h, donc voilà, il commence à faire tard. Donc voilà, je commence à avoir sommeil et j'espère déjà pouvoir vite m'endormir, ce serait déjà top. Mais bon, ou sinon, on se retrouve tout de suite pour brosser mes dents. Voilà, alors là, on est dans la salle de bain et j'ai ma petite brosse à dents avec mon dentifrice, voilà, je suis équipée. Et là, c'est parti, je vais d'abord mouiller ma brosse à dents. Alors, moi, c'est les étapes que je fais en premier. D'abord, je mouille ma brosse à dents, je mets le dentifrice et après, je rince. Donc voilà, alors hop, on va mettre, donc voilà, ça c'est déjà une bonne chose de frais. Et maintenant je vais aller préparer ma tenue pour demain. Voilà, alors maintenant on est prêt pour préparer ma tenue du jour. Alors je vais mettre mon training bobble épaule. Voilà, je vais mettre un petit sweat à manches courtes. Mais vous verrez tout ça mieux en détail demain matin, voilà. Et un petit t-shirt en dessous de ça, noir. Bon, il y a un peu de bling bling dessus, mais ça va bien aussi. Et ici, j'ai déjà aussi mes zooms de préparer. Mes belles zooms. Un noir et en noir et blanc. Et elles sont très très belles. J'adore, avec sur les lacets comme ça marqué Zoom avec le logo Nike. C'est magnifique. Notez-moi sur 10 la paire. Moi je mets un 1000 sur 10. C'est perfecto. Mais si vous voulez voir les tenues plus en détail, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo des 5 tenues pour la rentrée qui est sur ma chaîne, disponible maintenant. Et elle est super bien cette vidéo. Alors surtout mettez-moi un gros pouce bleu dessus, hein, n'oubliez pas. Mais bon, maintenant c'est l'heure d'aller faire un gros dodo pour être en forme demain. Donc c'est parti. Voilà, là je suis bien me chaude dans mon lit. Ouh là là, va voir. Je suis prête à faire un gros dodo, même ma voix elle s'assouplit, voilà. On va faire un gros dodo et on se retrouve demain pour le réveil qui va être je pense très dur. Donc prenez les petits chocolats. Du chocolat, bisous bisous.
coup, les chocolats, on est le matin et on est avec Baby Style. Voilà. Et là, bah, j'ai mon petit chocolat. Voilà. C'est très chaud. Dans ma belle tasse de coca. Elle se change en Patronus quand on la chauffe. Pardon, j'ai un peu de dents. Franchement. Ouais, il est 7h22 et le temps que je bois mon petit chocolat, bah après j'irai brosser mes dents et bah on se retrouve après quoi. Maintenant on va se brosser les dents parce que c'est bien, c'est super d'avoir un sourire éclatant pour la rentrée, donc c'est parti. Alors maintenant il faut se lisser un peu la mèche comme on a fait des dos, bah c'est bien. On a un peu d'or, un petit chocolat parce qu'à l'intérieur, j'avais un petit peu chaud et ici il fait bien frais. Voilà, je brosse bien mes cheveux. Et dites-moi vous en passant par là, qu'est-ce que vous faites pour la rentrée? Comment vous allez vous habiller, votre tenue, quelle coiffure vous allez faire? Si vous allez mettre des bijoux et tout. Bon, maintenant on va faire un... Voilà comment vous me trouvez. Personnellement j'adore mes cheveux. Et maintenant, il faut sentir bon pour la rentrée. Alors je me suis pris un petit déodorant Fa, voilà, que j'avais reçu à Noël. Il sent très très bon. Et un petit parfum en forme de talon qui est très très beau et qui sent très très bon. Vous connaissez forcément mon petit collier Yoda, voilà, super cute. Je le remontre encore une fois pour ceux qui n'avaient pas, qui n'auraient pas vu une autre vidéo. Ok. Ce qui est bien avec celui-là, c'est que ma tête, elle n'est pas trop grosse, donc je peux passer comme ça. Et regardez, regardez, moi, magnifiquement, regardez. Je suis une bombe latine, en fait. Je vais aller danser la salsa. Alors maintenant, je vais aller chercher mon sac à dos et bah, on se retrouve quand on sera dehors. Coucou le petit chocolat, me revoilà. Alors je suis dehors, voilà, je suis en route équipée de mon sac. Voilà, j'ai mis un petit bonnet aussi. Voilà, je trouve mes cheveux c'est de la bombe en fait. Voilà, c'est ma petite sœur, elle vous dit bonjour hein, donc salutos de ma petite sœur. Et bah là, bah on est en route quasiment et bah on va attendre le bus. Bref, je vous retrouve à l'arrêt de bus en fait donc. Du coup voilà les chutes de Bruxelles, on est à l'arrêt de bus, voilà. Et on est à l'arrêt de bus et là-bas on attend le bus en priant que vous m'entendez avec les voitures qui passent. Viens dire coucou. Coucou. Elle est au top de sa forme, elle a mangé genre 3 cuillères de sucre. Je vous assure, elle est gaga en fait. Bref, donc là-bas, on attend le bus et je vous retrouve quand le bus arrivera. Et d'ailleurs, en passant par là, j'aimerais vous dire quelque chose en petit privé, hein. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo, c'est très important, très, très important. Ok les gars, on est dans le bus. Scolaire. Bref, voilà le paysage. N'oubliez pas de vous abonner hein, et de liker cette vidéo si vous aimez. Ça me fera plaisir. On est arrivé à destination avec ma petite soeur. Voilà. Là, je suis devant le collège, donc je vous dis à tantôt mes petits chocolats. Bisous, bisous. Coucou. Alors, je suis sortie des cours, hein, donc voilà. Je suis sortie du collège, la journée s'est plutôt bien passée, je vais dire ça comme ça. Et là, on est dans le bus. C'est génial. Alors ma prof elle est super gentille, donc ça fait de la chance et tout, donc c'est super. En plus on a un nouveau bâtiment, une grande classe, c'est génial, j'adore. Bref. Donc voilà, là je fais le trajet. Je pense que je vais vous retrouver à la maison. À tout de suite. Coucou. Alors me revoilà, là je suis sortie du bus scolaire. Donc voilà, c'est génial, le trajet s'est bien passé.
C'est super, alors je suis toujours équipée de mon beau sac à dos. J'adore mes cheveux, je suis toujours aussi contente pour mes cheveux. Ils sont magnifiques. Ah oui, ma petite sœur a raison, ça sent les frites. Bref, et là-bas on est en route pour rentrer à la maison du coup. Du coup, bah voilà, je vous retrouverai probablement à la maison. Je ferai une de cette transition, une pépite. Et bah là, regardez-moi ça. Parce qu'en fait, ma mère, vous voyez, elle aime bien me faire cette coupe-là. Mais on est d'accord, ça me va pas la coupe comme ça. On est d'accord. Dites en commentaire parce que là, c'est waouh. Mais revoilà le chocolat. Je suis rentrée. Je viens de rentrer du collège. Alors, on vient de manger le repas aussi, voilà. Et c'est super. Je suis super contente. Là, je suis dans mon jardin. Je profite encore de la belle air parce que, comme c'est le premier jour de la rentrée, on n'a pas encore de voir ça qui est super cool. Comment vous, comment s'est passée votre rentrée? Moi, c'était super. Pour ceux qui partent déjà au collège aujourd'hui, moi, je suis partie aujourd'hui. Mais il y en a des qui commencent un peu plus tard. Donc, dites-moi comment vous s'est passée votre rentrée en commentaire. Si vous avez la moindre question, posez-la moi également. Et si vous avez aimé cette vidéo, mettez au moins un énorme pouce bleu. Vous abonnez, c'est le plus important en fait. Je suis super contente. On arrive bientôt à 200 abonnés, donc abonnez-vous et sonnez la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification quand je poste. Mais sur ce, je vous dis bisous, bisous, ma chocolat.